Allez, salut tout le monde, c'est Azur Récupération, on se retrouve aujourd'hui, oui, pour l'épisode numéro 60, les amis, de notre aventure 100% sur Super Mario Galaxy 2, dont l'épisode 13 de notre, notre quête sur les émeraudes célestes. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait terminé, c'est une très bonne question, je crois qu'on avait terminé on avait terminé quoi? On avait terminé quoi? Je sais même plus qu'est-ce qu'on avait terminé. On va aller voir, hein. On va aller voir, déjà, il y a une lettre de merde, merci. Les années-lumière, je sais pas, de l'heure où il est, oui, mais on connaît tout simplement la chansonnette. On avait fait quoi la dernière fois? Ça faisait très longtemps. Ouais, voilà. C'est ça qu'on avait fait. Je crois que la dernière fois, on avait fait le moulin à nuages. On avait récupéré les 3 étoiles vertes du moulin à nuages. Et on avait commencé à récupérer les étoiles dans le Aléanté. Il nous en manquait plus qu'une. Tout simplement à récupérer. Et du coup, aujourd'hui, on va tenter de récupérer la dernière super étoile verte dans cet Aléanté pour après. On va du coup descendre d'un étage dans l'autre comète farceuse repérée dans l'autre galaxie, tout simplement, étoile verte 3. Donc c'est parti. C'est parti, en attendant, j'espère que vous attendez tous le remasterisé. Moi, je l'attends avec impatience, tout simplement. Et on ne la voit pas. Et je ne l'attends pas. Bon, déjà, ça commence bien. Je ne la vois et je ne l'attends pas. Donc, bon. Alors du coup, on va y aller. Alors, ok, deux. Attention, on se fait pas avoir. Ouais, plein de comètes de comètes farceuses. Oui, plein d'étoiles, des Starbits. Je vais pas y arriver. Je préfère largement appeler ça en anglais parce que en français, je vais jamais y arriver. Ah, oh oui, c'est vrai qu'on avait ça. C'est vrai que c'était chiant ça. Aïe. Ok. Hop. Ah putain, il manquait plus qu'une pièce. Bon, c'est pas grave. Il ne manquait plus qu'une pièce, mais c'est pas grave. Donc du coup, on a vérifié un petit peu. Il y avait rien, hein. On est bien d'accord. Donc du coup, c'est parti. Les boues ne te feront rien. Fais juste attention de ne pas les regarder dans les yeux. Jamais. Ok. Du coup, c'est parti. On va faire un petit peu attention. Il faut sauter. Sauter. Et c'est parti. Alors. Ok. Attention. Il faut les regarder dans les yeux. Comme ça, au moins, ils viennent pas chier. Ils viennent pas faire chier. Hop. Je regarde si ça filme bien. Ah. Attention. Pas se faire avoir. Parce que la caméra est étrangement mal placée ici. Ok, ok, ok. Attention, 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 attention. Ok. Alors, il nous manque toujours l'étoile verte. Hein. Je sais pas où elle est, honnêtement. On l'attend pas. On l'attend pas pour le moment. Ah, le checkpoint. Déjà, ça c'est fait. Ok. Ah, attendez. Ah non, je pensais que c'était ça. Ah. On se concentre parce que ici la dernière fois on n'arrêtait pas de perdre inutilement. Donc là en plus on a des, comment s'appelle, on a des pièces et tout. J'ai pas envie de les perdre. Par contre, enfin je suis en train de paniquer parce que on arrive presque à la fin et on n'a pas vu l'étoile verte. Donc bon, ah ben ok, elle est là. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Elle est là. Ok. Ok, ok, alors allez en hauteur, il faudra faire un triple saut. Il faudra faire un triple saut. Luigi, chaque fois incontrôlable, c'est chiant. Ok. Ok. Alors là, il faut pas se fail. 1, 2, 3. Et nous l'avons eu. Yes! Bon, ben, notre étoile verte, c'est fait. Première étoile verte de l'épisode. Ça va te trouver une super étoile verte, précisément. Ils auraient dû rajouter vert. C'est pas pour le remaster, ils rajouteront le. Enfin, vert tout simplement derrière. Et du coup, ça nous fait 165. Yeah. Galaxie terminée. Les fragments étoiles. Des pièces en plus.
Et la partie a été sauvegardée. Du coup, on va parler au banquier. Bonjour, je suis le banquier spécialiste des fragmentaires. Toi, si tu veux décharger tes fragmentaires avec d'autres aventures, tu peux faire appel à mon service. Déposer autant de fragmentaires que tu veux, je les place sur ton compte. Les aventures qui disent un autre fichier d'assurance. Bon, alors, puis être sur ton compte. Bien sûr, tu peux jouer si tu joues tout seul. Je peux simplement garder tes fragmentaires dans la réserve. Aucun problème. Ok, pas de soucis. Tu disposes de 9879 fragments étoiles dans ta réserve. Si tu veux, tu peux t'en faire un dépôt ou un retrait. On va faire évidemment le dépôt, comme d'habitude. Bien. Les grottes sont connues pour renfermer plein de fragments étoiles. Et du coup, nous pourrons partir dans la prochaine galaxie. Alors, comme d'habitude, on suit la logique du haut en bas et du plus proche au plus éloigné. Donc du coup, le plus proche de nous en suivant du haut en bas, c'est tout simplement la station du Flocon de Brest. Tout simplement, il y a 3 super étoiles vertes. Donc c'est parti. C'est parti. Hop. Comète farceuse repérée. Étoile verte number one. Alors. Ok, on en entend une. On l'a pas vue par contre sur le petit trailer. Donc j'imagine que vu là où il est placé, elle a l'air. Vu que c'est. Là-bas, c'est la fin du de l'étoile. Donc il y en a une sûrement plus proche. Donc là, il faudra faire un petit peu attention. Hop. Ok. D'accord. Des pièces, toujours des pièces. Toujours des pièces, ça fait toujours plaisir. Par contre, merci, tu la récupères. Ok. En fait, oui, pourquoi je m'en souviens pas, en fait, dites-vous que oui, toujours, alors pour les gens qui me prennent en cours de route, là, qui prennent de l'espoir en cours de route, j'ai joué plus à la version, enfin, j'ai pas joué à la version Gristar normale depuis longtemps, en fait, je joue tout le temps à la version hack des étoiles vertes, donc en fait, pour moi, je redécouvre, en fait, les emplacements d'étoiles vertes, et évidemment, elles sont plus simples que les hacks... que la version des versions hack que je joue, mais en fait je joue plus aux versions hack. En fait, dans l'aventure des étoiles vertes, ça fait vraiment une éternité que je l'ai pas faite, tout simplement. Donc bon, voilà. Ok. Alors du coup, on récupère, merci. Ok. Ok. Toujours des pièces de partout. Je récupère volontiers. Alors on est. Ok. Bon. Alors du coup. On va buter tous ces arbres en même temps. D'accord. Il nous manque 3 trucs à brûler. Donc on va les brûler en même temps. Allez, go. Voilà. Bon, on va brûler l'intégralité de tout ce que on peut trouver. Parce qu'il faut récupérer un maximum de pièces et tout ça. Des pièces, toujours. Alors par contre, là, on va pas se faire avoir. Parce que celle-là, je m'en souviens. Au cas où, parce qu'en fait, je me souviens des plus fourbes, surtout. Des plus fourbes. Parce que elle, en fait, ici, je sais qu'il y en a une, d'après mes souvenirs. Mais elle est, en fait, elle est pas sur le chemin. Elle est à l'envers. Donc en fait, il faut aller tout simplement à l'envers. Alors, et c'est ici, hein, les amis, qu'il y a le fameux... Comment ça s'appelle, il y a le fameux bug tout simplement qu'il faut utiliser. Ah bah putain, j'ai failli le réussir. Oh putain, en fait je serais dans, vous imaginez, dites-vous que je fais tellement la version Kaizo que j'ai que le bug, j'y arrive presque du premier coup. En fait je sais où à peu près il faut sauter, quoi. Oui, en fait, si vous voulez, dans la une des versions hack que je vous ferai prochainement, il y a une étoile verte qui est ici.
Mais pour la récupérer, en fait, il faut utiliser un glitch. Et en fait, il faut utiliser ce glitch en question, tout simplement. Putain. Et voilà, putain. Putain, en fait, genre, dites-vous que j'y passe une ou deux heures, alors que là, j'arrive du premier coup, c'est vraiment une grosse blague. Mais bon, du coup, là, il faut se retourner. Vite, vite, vite. Alors, du coup. Ok. D'accord. On l'a loupé. On l'a loupé. On l'a entièrement loupé. Alors, là, il faut... Oh, putain, ça veut dire qu'on va perdre nos pièces. Oh, casse les couilles. Bon, ben, il n'y en aura pas le choix. On n'aura clairement pas le choix. Oh, putain, je jure. Est-ce qu'on peut peut-être en recover un petit peu? On était à 20, mais j'aimerais bien au moins... On va avoir nos pièces, quoi. Ok, des fragments étoiles, toujours des fragments étoiles. Ok. Ok. Toujours des pièces. Alors du coup... Putain, c'est vraiment une honte, quoi. Dans le sens où... J'arrive pas dans la version Keizo, enfin la version Keizo je prends une heure et là je prends pas une heure. Oh j'aurais bien aimé avoir des pièces quoi. T'es sérieux? Ok. Des pièces. Hop. Ok, bon, on va attendre que on a la fleur de feu à nouveau. Et c'est parti. Voilà, du coup, on va reprendre les pièces que nous avons perdues, tout simplement. Ah, plein de pièces. Hop, ça c'est fait. Je sais pas si derrière cet arbre s'il y a des pièces, donc on va retenter. Hop, c'est parti. Non, les fragments étoiles en bagaille, on récupère toujours. Ok. C'est bien. C'est parfait. Putain là c'est une honte quoi. Genre d'habitude j'arrive pas du coup. J'avais galéré la dernière fois. En fait il faut. En fait le setup c'est ça. Non, c'est pas ça le setup. C'est pas ça le setup. Merde. Voilà, ça c'est le setup. Il faut avoir fait ça. Putain, vous avez vu? C'est une honte. J'arrive du premier coup maintenant. Oh, j'aurais. Là je l'aurais eu par exemple. Je l'aurais eu. C'est vraiment une honte, ah, putain. Alors là, du coup, on va pas se faire voir. Parfait. Nous avons notre deuxième super étoile verte de l'épisode. Donc, du coup, on a le temps. On va enchaîner sur une troisième. C'est bien, du coup, ça nous fait notre quota habituel. Ouais, c'est parfait. Ça nous fait notre petit quota habituel. C'est nickel. 166. Des fragments étoiles en pagaille. En voilà. Et 14. Yes. La partie a été sauvegardée. Bien. Bah du coup on va reparler au Toad tout simplement. Putain c'est... Sérieusement quoi, j'ai arrêté du premier coup, c'était abusé. J'ai ajouté en compte tous les fragments étoiles que j'ai pu trouver. On va essayer c'est pour toi, ne me remercie pas. Et du coup on va à présent redéposer. Et on a déposé l'intégralité des fragments étoiles à la banque. Donc il nous manque juste à avoir 9999 fragments étoiles sur nous. Et puis c'est bon. Waouh, tous ces fragments étoiles ta réserve est pleine à craquer. Il n'y a plus de place. Mais que faire? Parfait, donc du coup ça c'est fait. Il nous manque juste des fragments étoiles sur nous à avoir et ainsi les pièces. Donc du coup ben, maintenant je donne plus rien au banquier. Donc écoutez, c'est parti. On va du coup faire la deuxième super étoile d'ici. Donc à présent il nous faut maintenant des pièces et des fragments étoiles. Mais sachant qu'on comète farceuse repérer. Quand on pourra, on dégommera plus des ennemis, on les marchera tout simplement dessus pour obtenir les pièces directement. Étoile verte 2. Voilà. À partir de maintenant, c'est ce qu'on fait. Et du coup, elle est où précisément? Je la vois pas. Vous la voyez, vous, l'étoile verte?
Ça brille, enfin... Attendez le son, ça brille. Ça brille, c'est ça qui est bizarre. C'est très mystérieux tout ça. Donc du coup, c'est parti. Des pièces, oui, toujours, oui, je récupère. Des fragments étoiles, je récupère. C'est bien, du coup, on va pouvoir avoir bientôt le max. Le max de max sur nous. Oui, il vaut mieux les commencer maintenant, les gens, pendant qu'on fait les étoiles. Parce que, disons qu'on va avoir des, on va en avoir des épisodes... Des épisodes fragments étoiles. Hein, enfin, pas tellement fragments étoiles, mais surtout des pièces, quoi. Les épisodes pièces, on va en avoir beaucoup. Donc si on les commence pas maintenant, à mon avis, on les commencera jamais. Donc de toute façon, il faudra revenir, donc... Hop. Tac. Hop. Oh merde, je voulais le dégommer. Je voulais pas faire ça. Ok. Ok. Oui, apprenez-moi à lancer correctement. Ici c'est fait. Ici c'est fait. Ici c'est fait. En fait, tu peux m'aider des boules de neige à la place de voir à chaque fois prendre le truc. Hop. Ok. Ça c'est fait. Et ça c'est fait. Bon, il nous manque juste à dégommer les quelques arbres qu'il y a et récupérer les fragments étoiles. En fait, il faut vraiment avoir un certain setup pour faire le glitch en question. Il faut vraiment avoir un putain de setup. C'est atroce, c'est vraiment atroce. Par contre, des pièces. Oui, des pièces en bagaille. Alors là, on se fait plaisir, on récupère tout. Tout. Là, vraiment, il faut se faire plaisir, il faut tout récupérer. Allez, des pièces, des fragments étoiles en folie. Alors, du coup, là, c'est parti. On va pouvoir récupérer même encore des pièces, c'est parfait. Des pièces, toujours des pièces. Voilà. Nickel. 38, c'est nickel. Honnêtement, oui, attendez-vous à des épisodes farm, mais ne vous attendez pas à trop d'épisodes farm. Ne vous attendez pas comme à Mario Odyssey. Honnêtement, dans Mario Odyssey, ça va nous prendre beaucoup de temps. Ce qu'il faut tout faire. Par contre, dans ce jeu, honnêtement, ne vous inquiétez pas, quoi. Et ça va pas prendre non plus un masse temps, tout simplement. Pour le full 100%, même s'il est. Ça paraît long. Mais voilà, quoi. Ok. Tac. Ok. Des pièces. Toujours des pièces, merci. Donc il nous manque à présent dégommer encore quelques petits blocs de glace. Oui, qu'on va dégommer encore pour récupérer des pièces, parce que c'est qu'il y a des pièces des fois derrière ces blocs de glace. Donc j'aimerais bien passer à la comète, médaille comète. Voilà. Bon, on l'a récupéré juste pour le style, hein, ça fait rien de plus. Et du coup, c'est parti. On va pouvoir se rendre ici. Et on atterrit là. Alors, ah, là-bas, on la voit. On la voit, l'étoile. Elle est là-bas, cette fourbe. Oh mon dieu, elle est là-bas cette fourbe. D'accord. Alors pour aller là-bas, ben ça c'est une putain, c'est une putain de bonne question. Pour aller là-bas. Ok. Ben, c'est une putain de bonne question. Pour aller là-bas, ça va être l'enfer, tout simplement. On va attendre que le bloc soit proche de nous. J'aimerais juste l'avoir en fait, le bloc. Merci. Attention, voilà. Sans oui, on a des fragments étoiles, hein. Autant en avoir sur soi. Alors, par contre, j'imagine qu'il faudra amener une boule de neige. Donc, vaut mieux vite la boule de neige, s'il te plaît. Merci. Reste là. Reste là, la boule de neige, ce serait sympathique. Ouais, parce que là, honnêtement, pour aller là-bas, à mon avis, ça va pas être du gâteau.
Ah merde. Ça c'est fait. Allez s'il te plaît. Ça va être un petit peu chaud hein. Ça c'est fait. Pour avoir... Oui on récupère les pièces en même temps. J'espère qu'on va pas perdre pour tenter de la récupérer celle-là. Parce que ça me ferait vraiment chier de tout farmer des pièces pour au final pour rien. Alors par contre du coup ici il y a quelque chose. Ok il y a quelque chose ouais. Attention, on va attendre un petit peu. Allez, 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 allez. Merci pour la pièce. Merci pour la pièce à nouveau. Alors, on la voit, la fameuse étoile. Merde. Non, non, non. Allez, là-bas, là-bas, là-bas. Ok, donc on récupère des pièces en même temps. Ok, des pièces toujours. Alors, on y est proche, on y est proche. Alors, elle est là. Yes, on l'a eu. Sans perdre de dégâts. Bien. Bon, bah écoutez, les amis, on est à 21 minutes de l'épisode. On va du coup s'arrêter là pour cet épisode numéro 60, dont l'épisode 13 sur la quête des émeraudes célestes. Et du coup, 167. Yeah. Parti le pognon. Oui, 4600. Oui, parce que dans le full 100%. Alors du coup, les amis, merci de m'avoir suivi pour cet épisode numéro 60 de notre aventure 100% sur Super Mario Galaxy 2. J'espère que cet épisode vous aura plu. La prochaine fois, on partira en direction... on finira tout simplement la station du Faucon d'Opresse. Il nous manque juste une étoile, une toute dernière étoile verte à avoir ici. Puis, si on a le temps, on y remontera et on fera, si je peux, si on y arrive à faire les deux super étoiles vertes du bloc des tic-tac, tout simplement. Dans lequel, oui, il y a les deux super étoiles vertes, tout simplement, à récupérer. Et ça nous fera, j'imagine, notre quota. Je pense qu'honnêtement, ça fera 20 minutes, tout ça. Ça m'étonnerait qu'on puisse attaquer la galaxie en bas, tout simplement. Ça m'étonnerait grandement. Mais voilà, on verra si le quota, si la durée de l'épisode nous le permet. Sachant que, du coup... Atelier Maboule, ça va être... ça va être encore assez compliqué. Je sens cette histoire, ça va être compliqué. Donc, on peut le voir une vue d'ensemble de ce que ça fait dans cet épisode. Il nous manque, comme d'habitude, encore le monde 3 à finir. Il y a encore pas mal de petites choses. Le monde 4 à finir également. Le monde 5 à finir. Le monde 6 à finir. Et ainsi, le monde S également à finir. Je sais que on n'y est pas sorti honnêtement. Je sais pas combien d'épisodes va nous prendre cette fameuse quête des émeraudes célestes. En 13 vidéos on a fait deux mondes et demi. Voilà, deux mondes et demi. Donc on peut dire que 13 vidéos si on fait deux mondes et demi, 26 vidéos alors on fera ça et ça en 13 vidéos, donc ça sera 26. Ça fera le 26e épisode de la quête des émeraudes célestes. Et peut-être, ouais, en fait, ça va durer à peu près une quarantaine. Voilà, si on calcule bien, une quarantaine d'épisodes à tout casser ici pour cette quête qui est déjà pas mal, hein, honnêtement. Après, ça va se compliquer. Hein, je vous dis ça, mais dites-vous, quand on va arriver sur des niveaux bien plus galères, hein, je vous rappelle que, alors, d'après mes souvenirs, c'est plus le monde S. En termes des étoiles vertes qui vont nous poser beaucoup de problèmes. Mais bon, on verra quand on s'y attaquera. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Et on se dit à une prochaine, vraiment une prochaine fois pour l'épisode numéro 61. C'est déjà beaucoup. Sachant que du coup, au niveau des remasters, on verra où on en est précisément. Je me languis vraiment de les fameux remasters de ce jeu, sachant que évidemment ça nous empêchera pas de continuer sur Let's Play plus tard, mais vous imaginez bien que quand il y aura le remaster qui sera annoncé et la sortie du remaster, surtout il y aura plus d'épisodes, en tout cas très peu sur ce Let's Play. Évidemment il y en aura pour parce qu'il faudra le finir, il faudra quand même finir le let's play, mais voilà, ne vous attendez pas à des épisodes, enfin à un let's play, enfin
on va dire, dites-vous que en termes d'épisode, il se peut que le let's play rattrape ce let's play. Ouais, je préfère vous le dire. Et du coup, voilà. Après, bon, il a pas encore annoncé. S'il annonce en plus pour la fin d'année, il se peut honnêtement que la fin d'année, on le termine ce jeu. Ouais, je préfère vous le dire qu'on le termine. C'est prévu dans mes plans, au cas où je termine ce Mario Galaxy 2 cette année. Sachant que même Super Mario Odyssey, j'ai prévu de le terminer cette année. Avec, si possible, Mario Galaxy 1, même si ça va être très compliqué. Mais j'aimerais bien au moins terminer les Galaxies cette année. Après, on verra, hein, l'avenir tranchera, tout simplement, sur ces finitions. Après, si ça doit durer encore un ou deux ans, ça durera encore un ou deux ans. Mais voilà, dites-vous que déjà pour ce jeu, on se rapproche de la fin. Et vous pouvez voir juste voir à droite le nombre d'étoiles qui nous manque, hein. C'est pas mytho, hein. À droite, le chiffre évolue. On fait 3 épisodes, enfin, on fait en moyenne 3 étoiles par épisode. Donc voilà, vous faites un rapide calcul, hein, vous basant sur cette moyenne, quand est-ce que va être la fin, tout simplement. Après, il y aura les épisodes farm, mais dites-vous que logiquement, les épisodes farm ne devraient pas être tant ambitieuse que celle d'Odyssée, dans le sens où, comme je vous ai dit, on répétera le monde 1 à la Terre Zerigolonimbus pour attraper les pièces. On fera il y a environ 250 pièces qu'on peut faire un rush dans ce niveau. On le fera deux fois dans l'épisode, donc on fera deux rushs. Ça nous fera 500 pièces tout simplement pour arriver au full. Et après, quand on aura fini, on s'attaquera à la recherche des comètes, des fragments étoiles qui sont dans ce niveau là, mer de lave, pour avoir l'intégralité des fragments étoiles. Et ainsi, nous terminerons du coup le let's play quand on aura tous les étoiles. Hein, évidemment, ça sera quand on aura tous les étoiles et tout ce qu'on a. On terminera le let's play par la finition de du jeu dans la fabrique de Galaxy de Bowser. Comme ça, au moins, on est tranquille. Et on active du coup la seconde fin du jeu et au moins, on est tranquille. Donc voilà. Donc merci de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine pour l'épisode 60. Donc l'épisode 14 sur la quête des émeraudes célestes de Super Mario Galaxy 2. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. J'espère qu'en ce moment, Hyrule Warriors vous plaît parce que je vous en bombarde, mais ça me fait plaisir parce que ce let's play, il me donne beaucoup envie. Dites-moi-le en commentaire si ça vous gêne. Et du coup, j'adapterai un autre let's play dans ces mêmes conditions. Et du coup, voilà. Donc d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.